dark side. I wanna be your left hand man. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas vlogué, peut-être une semaine et demie. Il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie durant la dernière semaine. Je l'ai déjà partagé sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas là, c'est sûr que vous ne savez pas. Donc, pour vous situer dans le temps, aujourd'hui on est mercredi. Et bon, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on est jeudi, on est mercredi. Ok, je suis mêlée parce que dans le fond, hier, je suis pas rentrée travailler. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que lundi, j'ai perdu mon grand-père, mon dernier grand-père. J'étais quand même proche de lui dans le sens que, tu sais, quand j'habitais avec ma mère, avant de déménager du domicile familial, dans le fond, c'est un duplex. Puis le duplex, il est à mon grand-père. Fait que lui, il habitait en bas, puis ma mère, puis nous, on habitait en haut. Fait que, tu sais, je l'ai côtoyé très souvent toute ma vie, dans le fond. Mais c'est surtout que ça... Oups! Oh, parce qu'il fait vraiment nuageux aujourd'hui. Mais c'est surtout que ça a été très soudain. Si vous avez écouté le vlog de la fête à Maverick, mon grand-père était ici. Il avait été à une exposition en avant-midi, avant. Il prend full l'auto, il habite seul, il avait 75 ans. C'est comme cet été, là, quand on a été au camping à ma mère, lui, c'est long, là. Puis il avait été pogné dans le trafic, c'est comme pris 3 heures en auto y aller, puis il est reparti le soir, il était très autonome, là, parfaitement autonome dans le fond. Fait que ça a été un choc. Dans le fond, mardi de la semaine dernière, fait que ça fait comme une semaine, fait 8 jours genre, j'ai appris, ma mère m'appelle pour me dire dans le fond qu'il était aux soins intensifs à l'hôpital. Qu'il était comme tout branché, dans le fond, il était intubé et tout. Puis qu'il y avait comme plein d'affaires. Dans le fond, ben, mon grand-père s'est fait opérer au cœur, ça fait comme 7 ans. Puis on a fait failli le perdre, là. Dans le fond, il y avait beaucoup de chances qu'il meure suite à l'opération. C'est une opération au cœur, mais dans le fond, il avait survécu à l'opération, si on pourrait dire comme ça. Fait que là, dans le fond, je vais vous dire tout de suite, il a passé 2 fois le test du COVID et il n'y avait pas le COVID, en fait. Donc, dans le fond, il a attrapé une bactérie, puis on ne sait pas c'est quoi, là, il y avait une bactérie dans son sang. Puis, dans le fond, c'est comme son foie, son cœur, puis ses reins ont comme... Tout marchait pas bien, là. Genre, quand il est arrivé à l'hôpital, sa saturation était... Tu sais, c'est comme... C'était pas croyable qu'il était vivant, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, il était sous plein de médicaments, soins intensifs. Pour sa pression, pour tout. Là, je vous l'explique parce que je veux vous dire ma dernière rencontre avec lui, puis mes vlogs, c'est tellement des souvenirs, comme quand il est décédé. Je me suis mis à écouter le vlog de la fête à Maverick, puis on le voyait qu'il regardait les enfants déballer les cadeaux, puis qu'il souriait, fait que ça m'a fait du bien. Fait que je me dis, si un jour, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, genre ma dernière rencontre, mais je pourrais réécouter mon vlog, tu sais, pour me remémorer tout ça. C'est pour ça que je vous en parle. Puis je pense que d'en parler va faire du bien. Dans le fond, j'étais vraiment sous le choc.
Mais je me disais pas qu'il allait mourir, là. Écoutez, il était. T'sais, à la fête à Maverick, on a comme. Ben, j'étais comme surtout avec ma mère, mon grand-père, tout ça, parce que dans le fond, la famille Anthony était plus comme sur le balcon, dehors, pour être comme séparés. Puis j'ai parlé beaucoup avec mon grand-père, puis il était vraiment content parce qu'il faisait enfin des travaux qu'il voulait faire depuis longtemps avec ma mère à l'intérieur. Dans le fond, il avait décidé d'ouvrir l'intérieur du duplex pour faire comme une grosse maison pour que lui aussi soit dans la même maison, genre. Puis il reconfigurait tout, puis tu sais, il était dans les travaux, là, à son âge. Fait que, il avait des. Il était super heureux. Je suis contente de cette dernière comme discussion avec lui. Puis, dans le fond, là, au fil des jours de la semaine passée, ça s'améliorait vraiment pas. Il y a un médecin qui était à ma mère que mon grand-père allait même pas passer la nuit. Puis ça, c'était dès qu'il est arrivé à l'hôpital. Fait que, moi, j'ai travaillé, tu sais, jeudi. Vendredi, Anthony travaillait. En tout cas, mais il me semble, je me rappelle plus. Mais il m'a dit, tu devrais vraiment aller voir ton grand-père à l'hôpital. Là, ma soeur, elle avait été le voir cette journée-là. Mais ma mère, elle m'avait dit que ça faisait vraiment de la peine de le voir comme ça. Mais je tenais à le voir pareil. Aux soins intensifs, comment ça fonctionne, c'est que tu avais le droit à un visiteur sur rendez-vous. Seulement si il est en soins de confort, mais ma mère avait refusé les soins de confort pour l'instant. Donc, mais ils m'ont dit que oui, parce que dans le fond, c'était un cas de soins de confort, dans le fond. Fait que j'ai pris rendez-vous le vendredi, puis je suis vraiment contente d'avoir été vendredi, parce que j'hésitais entre le vendredi ou le samedi, mais Anthony m'a dit, t'es. En tant qu'infirmier, je te conseille vraiment d'y aller aujourd'hui parce que demain, tu sais, ça se peut qu'il soit pas pareil. Fait que j'ai été vendredi à 7 h le soir, tout seul dans le fond, hein, à l'hôpital. Et j'ai pleuré ma vie en le voyant. On met les pieds, donc toutes les protections, les gants, les kits, tout. Puis dans le fond, je suis arrivée devant lui, puis il était comme. Il était les yeux fermés, il était endormi, puis là, il était intubé, fait qu'il peut pas comme parler. Mais j'arrêtais pas de pleurer sous tout ce que j'avais, mon masque et tout. Puis je me suis mis à y parler et il a ouvert les yeux. Il avait les yeux comme entrouverts, mais tu sais, je le voyais que dans le fond, dès que je me suis mis à y parler, il m'entendait, puis il voulait me faire signe que. Il m'écoutait, tu sais. Mais ça devait lui demander vraiment beaucoup d'énergie. Fait que j'ai. Je savais pas quoi lui dire, mais je lui ai dit plein de fois, je pense 500 fois, que je l'aimais, qu'on l'aimait tous. Puis j'ai flatté la main, puis les cheveux, puis. Dans le fond, vraiment, quand j'y parlais, un bon 5 minutes, il avait les yeux entrouverts. Fait qu'il était vraiment. Puis il essayait de me faire des signes de la tête. Puis vers la fin, c'était vraiment dur. J'ai pris tout ce que j'avais dans moi pour lui dire ça. Parce que ben, ma soeur lui avait dit que notre grand-mère l'attendait avec sa robe rose de l'autre côté. Puis c'est ça. Je lui ai dit. Oh! Je lui ai dit que si c'était trop difficile. Oh my god! Ça me fait revivre des émotions, mais comme je vous dis, je veux vraiment le dire parce que si je me rappelle pas de quelque chose, je vais pouvoir regarder ma vidéo. J'ai dit que si c'était trop difficile de combattre puis qu'il souffrait, que Mimi. C'est ma grand-mère. Elle l'attendait de l'autre côté. Mais que sinon, on est tous là pour lui. Jaden, Maverick, Amanda, moi, on est toutes là. Puis qu'on l'aime vraiment beaucoup. Puis quand j'ai dit ça, il m'a fait un petit sourire en coin. Puis vraiment, comme. C'était pas. Pas exprès, là. C'était vraiment. Il m'a fait un petit sourire en coin. Puis.
quand j'ai dit ça. Fait que... Ah, yeah, c'est ça. C'était notre rencontre. Peut-être une trentaine de minutes environ. Là. C'était la dernière rencontre. Et c'est la dernière fois qu'il a eu les yeux semi-ouverts, dans le fond. Fait que j'étais la dernière à le voir s'ouvrir. Non, ça c'était vendredi, puis il nous a quittés lundi, je suis mêlée parce qu'en fond, c'est ça, je l'ai appris lundi soir, vers 7h, et j'étais vraiment pas, je me sentais pas bien, là. Puis il faut pas que je pense trop à ça, parce que sinon je me mets juste à pleurer, puis je sais qu'il faut vivre ses émotions puis tout, mais comme je peux pas juste pleurer toute la journée, là, mais... C'est ça. Dans le fond, j'ai pas travaillé hier matin. Je suis restée à la maison. C'est ça. Voilà. Puis ma mère, je vais pouvoir aller la voir quand on va pouvoir aller à Montréal voir quelqu'un d'autre. Hein. Aïe. C'est ça. C'est. Oh mon Dieu. Ouais. Puis là, hier, ma mère, elle me disait qu'elle était dans ces choses, justement, puis qu'elle avait trouvé. Un dossier écrit Karine, puis un dossier écrit Juliane, ma soeur. Puis il avait gardé nos dessins, nos bricolages qu'on lui a fait, genre quand on avait comme 2 ans, là, c'est complètement fou. Bon, fait que. Ah! C'est ça. Je suis contente d'en avoir parlé avec vous comme ça. Donc, on va passer à un autre ordre d'idée. Faut vraiment pas que je parle juste dans le négatif, c'est, je vais juste pleurer comme je vous dis. Fait que je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Que j'ai fait au courant des dernières semaines que j'ai reçu. Dans le fond, j'avais commandé 2 joggers à Bibel. Je vous dis, je change de sujet, mais c'est parce qu'il faut que je change. Je dois me mettre dans un monde de bonne humeur, tu sais. Heureuse. Fait que j'ai commandé les joggers à Bibel, j'ai acheté les cognacs et les noirs. Fait que sur ça, je vais justement mettre ça. Puis j'ai commandé chez Women's le kit de moule, celle-là. Okay. Puis j'ai pris large, mais en fait, quand j'aurais peut-être pu prendre médium parce que j'étais comme pour avoir le look oversize, mais il est déjà fait oversize. Fait que ça, c'est. Mais c'est pas grave, là. Ça va être super beau avec des leggings. Fait que c'est le chandail. Si vous étiez à le commander. Dans le fond, il y a des poches. Il y a même une poche à l'arrière. On voit pas trop, mais en tout cas, vous irez voir sur le site internet si vous intéressez. Puis j'ai commandé le genre de vieux rose. Parce que je me dis, ça fait différent de mes kits mous. J'en ai plein de kits mous, hein, mais écoutez, je vivrai là-dedans. J'ai commandé le genre de t-shirt boyfriend noir. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai commandé. Celui-là, dans le fond, t'sais, je peux le matcher avec le pantalon ou je peux le matcher avec autre chose. Lui, il est fait, oui, il est fait grand, mais moins grand que celui-là. Ah ben, je suis plus sûre. Mais en tout cas, il y a un petit zip. Alors, j'ai pris large, mais en fin de compte, prochaine fois, si je commande des trucs loungewear, là, je vais les commander medium, sauf le pantalon. Fait que, c'est ça. Parce qu'ils sont faits réellement oversize. Fait que, c'est ça. Voilà les achats que j'ai fait. Pour moi, j'ai fait des achats pour les enfants, mais je vais vous montrer ça plus tard parce que dans le fond, j'ai un rendez-vous à 11h et 10h20 pour mes ongles. Donc, je vais finir mon café puis je vais m'habiller. Je pense que je vais mettre mon jogger noir à Bibel. Et je pourrais sortir avec ça, mais je suis un petit peu plus habillée. Bon, en fin de compte, on va vous placer. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait aux Zara parce que je vais habiller les gars et Amanda avec des nouveaux vêtements. Fait que j'ai acheté des paquets de bas à Amanda. Dans le fond, excusez, parce que j'avais préparé leurs vêtements, puis justement, c'est les vêtements neufs. Fait qu'il y avait ce paquet-là de 2, c'est des bas, mais sont comme plus épais. Puis c'est antidérapant, fait que c'est des petits piquants. J'ai celles-là, sont plus minces, il y a des petits chiens, et comme ça, puis là aussi sont antidérapants. Ceux-là par contre sont pas antidérapants, mais j'ai trouvé trop beau. C'est comme des petites fleurs, et des bas genre longs. Je trouvais ça trop cute. Fait que, ah oui, regardez, ça c'est le large, fait que ça c'est fait grand là.
Mais c'est correct. Fait que ça c'est les médiums de Abibel. Fait que voilà pour Amanda. Là, je vais vous montrer. Enfin, j'ai tout mis dans le bac pour. Je mets comme tout leurs vêtements dans un bac la veille pour les habiller. Je les habille en bas. Dans le fond, les gars, ils ont trouvé plein de pantalons. Fait qu'il fallait que je leur achète des nouveaux pantalons. J'étais un peu frue parce que Jaden, je prends des 4-5 ans, puis il m'abrique des 3-4. Et ces deux pantalons sont exactement la même grandeur. Fait que, mais tu sais, je sais que c'est pas fait pareil, mais bon, j'espère qu'il va faire à Jaden. C'est ça que je vais voir là. Sinon, au pire, il va être à Maverick. Faudrait que j'y en commande d'autres. Fait que j'ai pris eux à Jaden. Brun. Eux comme Bourgogne à Maverick, je les trouve vraiment beau. Fait que voilà, c'est leur première paire. Et hop, j'ai même rangé leur deuxième paire. Dans le fond, j'ai pris eux ici à Jaden. Si je voulais des pantalons mous, confortables pour la garderie, là. Et Maverick, c'est les mêmes, mais dans le gris. Fait que voilà, j'ai commandé ça. Et dans le fond, j'ai commandé. Il me fallait un. Ils ont essayé, fait qu'ils sont tous à l'envers. Un habit de pluie. Je suis tombée là-dessus. Dans le fond, c'est des pantalons de pluie, mais eux, je les trouvais vraiment beaux. Puis ils étaient 35$. Fait que pour jouer dehors, la garderie et tout, là. Ils sont faciles à mettre. Fait que. Ils sont la même couleur que leur manteau. Leur manteau, il est kaki. Ils l'avaient dans la couleur ocre aussi. Puis dans le fond, ils sont comme ça dans le bas. Ils sont vraiment, tu sais, sont doublés. Puis, c'est juste des snaps ici. Fait que je les ai déjà ajustés à leur grandeur. Mais j'en ai commandé deux, dans le fond. Un 4-5 et un 3-4. Puis, j'ai commandé des tucs pour les gars. C'est des 6-9 ans. Mais écoutez, ça leur fait... c'est comme ça, ici. Ils sont juste grises. Fait que je les ai commandé deux parce qu'ils ont des tucs Abibel. Puis il y en a déjà une de perdue. Je suppose qu'elle doit être perdue à la garderie. Fait que c'est ça. Je me suis dit, ben je vais leur en acheter si c'était 10$. Là. Deux autres, fait que comme ça, quand on en cherche une, il y en a une autre. Fait que voilà mes petits achats. Là, je vais aller habiller les enfants. On est venu à la maison, il pleut. Regardez les belles couleurs. Fait que là, je viens de sortir le genre de sable kinétique. Ouais. Les enfants, ils jouent à ça dehors. Enfin, il est 12h38. Anthony vient de partir. Lui, il avait un rendez-vous. C'est ça, il avait un rendez-vous. Fait que voilà, mes ongles d'automne. Ah, ça paraît pas, mais ceux-là, c'est pas la même couleur. Ça paraît pas tant. Puis, j'ai fait mettre des petits fantômes, ok? Regardez. Un ici, je trouve tellement cute. Puis un... Ici, genre des petits fantômes cachés. Amanda est capotée. Ouais, fait que voilà, j'ai fait. C'est la première fois que je fais ça, tu sais, un genre de dégradé de couleur. Fait que lui, il est comme nude, plus jaunâtre, orangé, brun, puis bourgogne. Ça paraît pas tant à la caméra, mais c'est ça. Sérieusement, c'est tellement confus, là, ce chandail-là. Puis mes joggers Abibel. Fait que là, Anthony a donné à manger au gars. Quoi? Ok, un instant, j'arrive. Anthony a donné à manger ben, au gars. Amanda aussi. J'ai été la coucher tout de suite parce que quand Anthony va revenir, on va aller au centre d'achat. Sérieux, c'est quand la dernière fois que j'étais au centre d'achat. Genre avant le COVID, je sais vraiment pas. Ça fait longtemps, sauf qu'on n'a pas le choix parce qu'il nous faut des bottes d'hiver. Ça va arriver vite. Pour Jaden puis pour Amanda, Maverick, ceux de Jaden de l'année passée qui a porté 2 ans, sont encore en bon état puis ils font des sorelles. Fait que deux paires, mais tu sais, tu peux pas commander ça en ligne. Des souliers puis des bottes là, je trouve c'est important de les essayer. Fait que en plus, tu sais, c'est quand même dispendieux. Fait que on va aller voir ça. Puis elle dort uniquement dans sa chambre. Elle est pas capable de dormir dans l'auto, nulle part, genre, nulle part. Fait que. Pour ça, j'ai fait dormir là au moins une petite heure avant qu'on y aille. Fait que moi, ce matin, j'ai pas fait grand chose. Je vais ramasser les trucs du dîner, déjeuner, puis je vais dîner. Ouais. Chauffer ça, c'est mon restant d'hier, fait que c'est de... ça a peut-être l'air bizarre, mais c'est vraiment bon. La courge spaghetti avec une sauce que Anthony a fait
à la dinde hachée, fait qu'il est super santé. Puis il a fait ça avec les. Dans le fond, son grand-père nous avait donné des tomates qui font comme ça. Sa famille est italienne, puis à chaque année, ils font plein de canages de tomates. Là. Je sais pas comment il avait dit, genre 500. Fait qu'il nous a donné un pot. Bon, mais vrai que c'est fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est fait? À la maison, il est genre 6 heures. Enfin, il est en train de faire le souper. Fait que c'est pas moi qui fais le souper aujourd'hui, je suis contente. Parce que depuis qu'il travaille. Ah. Ça fait longtemps, je pense. Ouais. Parce que depuis que lui travaille, c'est principalement moi qui fais les repas. Vraiment, hey, arrête! Il fait un repas de mouquet. C'est ça. On a mangé la semaine passée, puis on a vraiment fait une heure. Fait que c'était. Mouvementé, on va dire, au centre d'achat. Fait que. On a trouvé. La paire de bottes pour Jaden et Amanda. Puis pour vrai, ça ne tentait vraiment pas de faire plus qu'un magasin. Fait que. C'est de chez Clément. On a pris des Columbia pour Jaden, puis on les trouvait vraiment belles, mais là on a comme essayé de pratiquer Jaden à les mettre et les enlever. Je vais vous montrer pourquoi là. Il est ici dans le tracteur. Yay! Attends, Amanda va donner ça à ma pique. Amanda donne ça. Ok, attends. Ok. Ok. Fait que c'est comme ça. Ils sont vraiment belles. Ils font full plus vieux, je trouve. Moins bébé. Comme ils ont vraiment. Ils sont travaillés, genre. C'est un modèle adulte, ouais. Mais dans le fond, c'est ça là qu'on y pratiquait à. Parce qu'il doit peser. Mais il y a comme un petit spur lancé, c'est vraiment juste ça. Là. Puis il y a le velcro. Fait que c'est des douces. Mais ils font vraiment bien, puis ils ont vraiment l'air confortables, puis ils sont super légères. Fait que. Mais Columbia, c'est vraiment de la bonne qualité, là. Le manteau qu'il avait à son premier hiver, ouais, ça a fait deux enfants, puis il l'a porté deux saisons. Lui ou Maverick, je sais plus. Mais en tout cas. Fait que c'était quand. C'était 100$, mais. C'est ça. On a pris eux. Et pour Amanda, dans le fond, là, elle a son soude d'hiver, il est. C'est un deux pièces. Mauve et le haut il est comme bleu par les mauves. Fait quand même très coloré. Puis elle va oh j'ai presque pu lui acheter un autre qui a du mauve aussi. Fait que j'ai pris des O-Line. C'est la première fois qu'on prend cette marque là. Presque plus de batterie. Donc c'est ceux-là. Fait que j'ai trouvé belles. Ils sont comme grises. Oh là-dedans. Grises avec comme du petit brillant et le léger détail mauve qui est la couture. Fait que ça fait différent tu sais de noir. Qui est le noir de toutes les autres bottes. Puis elle, c'est juste aussi un petit truc de même. Mais elle, elle aura pas à le faire. Mais elles sont vraiment belles. C'est comme brillant, là. Ici, c'est ça. Ouais, là, on voit mieux la couleur. Mais ça, il l'avait dans d'autres couleurs. J'ai trouvé très belles les beiges. J'ai comme mauve pâle. Oui, t'en veux-tu encore du fromage? Oui. Voyons, Denis. Fait que j'ai trouvé très belles les beiges. Et comme c'était tout genre de mauve pâle, je pense. Sauf que là, ça fait comme. Tout le reste est coloré, là. Fait que ça. Ça fait très beau comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est le secret. Ah, Anthony. De son repas de mini-cake. Tout le monde! On est quelques jours après. J'ai oublié carrément de vous conclure le vlog. Fait que. C'est ça. Sur ce, je conclue le vlog et je vous dis à demain. La soirée que je tournais ce vlog, dans le fond, les gars m'ont demandé qu'est-ce qui arrivait avec grand-papa Pépé à l'hôpital. S'il était encore à l'hôpital, puis je leur ai annoncé qu'il était parti au ciel. Et j'étais très, très, très émotive. Fait que c'est ça. Je n'ai juste plus. Plus vlogué. J'ai pas pensé à ça. Fait que. Bye bye, à la prochaine.